Lucille la Luciole. C'est au bord d'un lac niché au pied de la montagne que vit une famille de Lucioles. Dans cette famille, chacun a un incroyable talent. Maman est pâtissière, Léa la Benjamine est chanteuse, papa est écrivain, Lucas l'aîné est guitariste. Ils ont tous un point commun, c'est celui d'avoir de la lumière, à l'exception de Lucille la cadette. Tout le monde se moquait d'elle car elle n'avait ni talent ni lumière. Oh, regardez Lucille, une luciole sans lumière, c'est impensable. Tous les soirs à la tombée de la nuit, toute la famille se rendait à la valse des couleurs qui réunissait toutes les lucioles des alentours. Il y avait également des orchestres et des chorales venus des quatre extrémités de la terre. Lucille était triste de ne pas pouvoir assister aux festivités car elle n'avait pas de lumière. Un soir, au lieu de rester toute seule à la maison, elle mit sa plus belle robe et elle décida de se rendre à la valse des couleurs. À son arrivée, l'une des chorales chantait « C'est l'heure de briller, c'est l'heure de briller ». Lucille se laissa transporter par la musique. Elle commença à danser, mais elle n'avait toujours pas de lumière et tout le monde se moquait d'elle. Mais que fait Lucille? Elle n'a ni talent ni lumière. Elle n'a pas le droit d'être là. Mais cette fois, elle ne se laissa pas atteindre par ses ricanements. Elle continua à danser et à tournoyer dans tous les sens. Tout en dansant, elle se mit à chantonner. C'est l'heure de briller, yeah, yeah. Alors, toutes les lucioles présentes eurent les regards fixés sur elle. Et c'est à cet instant qu'un changement s'opéra en elle. Tout le monde fut ébahi. Certaines dirent « Oh, Lucille danse, mais c'est hallucinant !» Et d'autres rajoutèrent « Waouh, elle a enfin de la lumière !» Lucille, la luciole, était passée de l'ombre à la lumière. Elle était maintenant méconnaissable, car elle pouvait danser tout en brillant de mille feux. Ce jour-là, c'est sûr, tout le monde put constater, Lucie y compris, qu'elle avait un talent caché qui devait absolument être dévoilé au monde. Et toi, as-tu un talent qui ne s'est pas encore révélé? Désires-tu le voir se manifester? Dieu te demande de briller sur la terre grâce à sa lumière. C'est ainsi que tu réussiras ta vie. Ésaïe au chapitre 60, verset 1 nous dit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi ».